Bonjour Sébastien. Bonjour Barbara. Bienvenue dans ce deuxième épisode ADAP Décrypte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la qualité chez ADAP? Bien sûr. C'est répondre aux besoins et attentes des bénéficiaires de toutes les personnes concernées par nos prestations. Les aidants, la famille, mais aussi les autres intervenants. Médecins, infirmiers libéraux, assistants sociaux, etc. Et tout ça, bien sûr, en s'assurant de la qualité de vie au travail de nos équipes. Notre objectif, c'est la satisfaction de tous. D'accord. Comment cela se traduit au quotidien? Tout d'abord, l'évaluation des besoins à domicile est primordiale. Et évidemment, c'est l'IDE, référent technique du centre, qui la réalise. C'est notre valeur ajoutée chez ADAP. Et puis chaque centre, avec son IDE et l'ensemble de l'équipe, s'attache à recruter des professionnels qualifiés, leur apporter de la formation continue et les accompagner en réalisant des suivis qualité réguliers à domicile. Et concrètement, comment préserver la satisfaction de tous? En étant à l'écoute au quotidien, lors d'entretiens et en réalisant des enquêtes régulièrement auprès de tous, les bénéficiaires, les aidants, mais aussi les équipes. Le but étant de répondre à tous leurs nouveaux besoins, par exemple, et mettre en place des actions d'amélioration. Comment le réseau s'assure d'avoir une qualité de service homogène? Chaque centre ADAP fait l'objet d'un audit interne annuel et nous sommes également chaque année audités par un organisme certificateur indépendant sur la base du référentiel SGS Qualicert. ADAP détient donc une certification qualité? Oui, tout à fait. Nous sommes d'ailleurs certifiés depuis 2006. Mais au-delà de ce label, c'est depuis 25 ans que la qualité est au cœur du concept ADAP. Très bien, et bien merci Sébastien pour vos réponses. Merci Barbara.